moi le design effectivement c'est vraiment cette idée que qu'on essaye de faire des choses pour les gens, des belles choses dont ils seront contents d'utiliser par la suite. Pour moi le design c'est un moyen d'aider les personnes à améliorer leur quotidien. Donc c'est pour ça que, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois parce que je suis UX et du coup c'est vraiment cette phase d'aller rencontrer les personnes qui est importante pour moi, de vraiment rentrer dans leur univers pour comprendre toutes leurs problématiques. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est le côté humain en fait. En tant que designer du service, j'ai plutôt une vision à 360 degrés sur un projet et je ne vais pas spécifiquement travailler sur le graphisme, sur le produit, sur l'espace. Je vais vraiment réfléchir globalement et après à déléguer aux personnes en fait qui vont, dont c'est en fait le cœur de métier. Pour moi le design c'est aussi l'autorisation que l'on peut donner à un statut, à un profil, de ne pas être dans les règles, d'avoir le droit en fait d'être un peu à côté de la plaque parfois. Sauf qu'être à côté de la plaque c'est hyper bénéfique parce que ça permet de changer complètement de point de vue sur une situation. Et je trouve que notre métier nous autorise et légitime cette posture-là.